Bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier le président Macron de m'avoir si chaleureusement accueilli en France. Comme toujours, c'est fantastique d'être de retour à Paris. La relation spéciale qui unit le Canada et la France est enracinée dans notre histoire commune et des valeurs partagées. Les Français sont non seulement nos partenaires, mais nos amis de longue date. Et c'est donc dans cet esprit d'amitié que s'est déroulée notre visite. Chaque fois que je me rends en France ou que j'accueille le président Macron au Canada, nous réalisons des progrès importants, que ce soit en vue de créer de la croissance économique qui profite à la classe moyenne ou de travailler ensemble dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous sommes sur le point de conclure une autre visite productive durant laquelle nous avons renforcé les liens étroits qui unissent nos deux pays et travaillé avec d'autres dirigeants sur les dossiers les plus urgents. Over the past 2 days, I've been here in Paris to talk about one of the biggest opportunities and challenges facing our globe, the evolving digital world. This is an exciting time with technological advances opening up incredible new possibilities. Just look at the work of Canadians that has redefined our lives, whether with life-saving medicine or by helping entrepreneurs thrive and build jobs for the middle class. But as with any change that happens quickly, there are risks, too. New technology is being used to spread hate and broadcast violence. Online platforms are being co-opted to undermine democracy and circulate disinformation. Understandably, people are losing trust in digital institutions. They're concerned about what new technology means, not just for elections or for privacy, but for their jobs and for safety. The horrific attack in Christchurch, an attack that was streamed live online, showed us that we cannot wait to take action. This is the moment to talk policy. This is the moment to do something. Yesterday, Canada signed on to the Christchurch Call to Action alongside like-minded leaders like President Macron and Prime Minister Ardern. La communauté mondiale doit adopter une approche coordonnée pour éliminer le contenu à caractère terroriste et extrémiste qu'on retrouve en ligne. C'est clair que les plateformes ont la responsabilité de veiller à ce que leur technologie ne soit pas utilisée pour répandre les discours haineux ou diffuser des actes de violence. Mais en tant que gouvernement, on doit aussi faire notre part, notamment en appliquant la loi si les entreprises refusent d'agir. L'appel à l'action est une étape importante et fondamentale pour assurer la sécurité de chacun en ligne. Mais on doit également élaborer des solutions chez nous, à l'échelle nationale. On doit mettre en œuvre une stratégie globale qui nous permettra de réglementer l'espace numérique. La réalité, c'est qu'Internet et les nouvelles technologies numériques ont un impact sur tous les aspects de nos vies. Mais puisque l'espace numérique n'est toujours pas réglementé, les gens sont dans une position vulnérable. Face aux tendances troublantes qu'on retrouve en ligne, les gouvernements se doivent d'agir. Après tout, on ne peut pas seulement compter sur les entreprises pour protéger l'intérêt public. C'est donc pourquoi notre gouvernement a intensifié les enquêtes qui visent les groupes haineux et extrémistes. On continue d'introduire des nouvelles mesures pour prévenir l'ingérence étrangère dans notre processus électoral. At the VivaTech conference this morning, I announced that in the coming weeks, we will be launching Canada's new digital charter. The digital world must be safe, transparent, accountable, and private. We have to fight back against online hate, disinformation, and election interference. Canadians deserve no less. By restoring trust in the digital world, we can focus on the incredible benefits that technology has to offer, whether that's barrier-free business or better banking. The world may be changing, but with the right tools and the right leadership, we can make sure that it changes for the better.